Je sais que c'est très con, c'est comme ça. Mais pourquoi tu m'en parles à moi? T'es son témoin, non? Puis ça sort aussi occasionnellement. Tu préfères pas savoir la vérité? La vérité? Demain, c'est vos fiançailles. On se réveille, mon grand. Demain, tu te fiances avec une fille super. Dans un an, tu l'épouses. Je la connais depuis assez longtemps pour te jurer que c'est vraiment une perle rare. J'en suis sûr, mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais? Des fondants au chocolat. Tu me donnes faim. Ça tombe mal, c'est pour demain. C'est toi qui me donnes faim. T'es pas encore parti? Qu'est-ce que je peux faire? Je viens de te le dire. Bah oui, mais non! Je préférais quand tu... J'étais plus à l'aise pour parler. Tu rentres chez toi, t'annules la soirée, t'appelles tout le monde, t'annules les festivités. N'oublie pas la principale intéressée. Tout allait bien il y a 2 mois. Et puis t'es rentré de voyage. Je te connaissais pas, je savais que ta sœur avait... Une sœur qui voyageait, qui s'était installée en Inde quelque temps. Mais je t'avais jamais vue. Et puis t'es revenue. Pour vos fiançailles. C'était censé être une fête. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça pour moi. T'as débarqué dans ma vie. Comme ton avion, tu vois, tu t'es posé au bout de la piste. Et puis moi, je suis le mec avec les bâtons pleins de lumière pour te guider jusqu'au terminal. Moi. C'est bien. T'es revenu assez tôt pour que je fasse pas la connerie d'épouser ta sœur, c'est déjà pas si mal, non? Tu te rends compte si t'étais rentré juste pour le mariage? Je peux rester encore un peu? Non. Toi, tu files chez ma sœur, tu lui dis toute la vérité, moi je passerai la voir après. Je m'occupe des invités. Ok, mais après je peux revenir te voir. Mais t'es complètement malade. Je suis amoureux. Ouais, bah parfois on confond.